Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Stanlon, arrête ça et regarde, j'ai un nouveau tour à te montrer. Je voudrais bien, Orko, seulement j'ai du travail et tout doit être fini avant le retour de Melacta. Oh, allez, t'as bien 5 minutes à m'accorder. Non, désolé, Orko, j'ai promis que ce serait terminé et je tiendrai ma promesse. Bon, bah, je vais t'aider. Attention, SOS magie, à la rescousse. Oh, t'en fais pas, ça sera terminé en un clin d'œil. Obéis-moi, balai, balayette, envoie poussière aux oubliettes. Orko, dis-lui d'aller doucement, c'est fragile. Travaille doucement, je te l'ordonne sur le champ. Mais à quoi tu joues? Laisse-moi. Non, non, arrête-le. Hé, hey, oh. Stop! Arrête-toi! Oh non, et qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Melacta va être furieux contre moi! T'inquiète pas, je casse, je répare! Oh non, je t'en prie, laisse, je m'en occuperai, Orko! C'est quoi, ça? C'était caché dans la statue? On dirait une carte! Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus! Je connais pas cette langue! Ça a l'air important! On va la montrer à Adam! Oui, c'est sûrement important, mais... cette langue est étrange, et pour la déchiffrer, je ne vois que Melacta. Oh, Melacta! Oh. Et si on essayait de résoudre l'énigme avant qu'il ne revienne? Bon, comme tu voudras, Stanlon. Peut-être que la sorcière pourrait nous aider. Génial! Oh non, c'est pas vrai, juste au moment où j'allais réviser mes positions de sieste. Un de leurs appareils vient de décoller, Skeletor! On s'en moque, approche-toi! Bien, à tes ordres. On s'en moque, approche-toi. Oui, bon, ça va, j'en ai compris. C'est pas la peine de répéter. On s'en moque, approche-toi. Si c'est une blague, c'est... Est-ce que j'ai une tête à faire des blagues, moi? Bah, un peu, oui. Quoi? J'ai rien dit, moi. Bon, suffit. Suis leur appareil et toi, arrange-toi pour que cette bestiole la ferme ou tu goûteras aux joies de la chute libre sans parachute, compris? Oui, t'as entendu, alors silence. Toi, la ferme, compris? Silence, j'ai dit! Compris. On est presque arrivé. Oh non, quel idiot! J'ai oublié de laisser un mot pour Melacta. Ne t'inquiète pas, Tila sait que tu es avec moi, elle va le lui dire. Ah ben j'espère, oui. Il sera déjà assez en colère en voyant qu'on lui a cassé une de ses statues bien aimées. Oh non. Non, cette pièce était inestimable. Oh, Stanlon. Bien, je ne peux plus avoir confiance en ce garçon. Oh, quel gâchis. C'en est trop cette fois, il va m'entendre. Si j'arrive à le trouver. Stanlon est parti avec Adam et Orko au château des ombres. Ils ont trouvé une carte dans la statuette qu'Orko a brisée. Oh, alors c'était Orko. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas attendu? Je dois leur parler. Il faut que je me rende au château des ombres. Je vais t'y conduire. Ça ne va pas être facile, Adam. Cette langue date de la nuit des temps. Il va falloir que je cherche dans la bibliothèque du château et que je trouve un ouvrage qui m'aide à le traduire. Oh, prends ton temps, sorcière. Oh, oui, prends ton temps. Moi, j'ai mes positions de sieste à travailler. J'aimerais bien savoir ce qui se trouve là-dedans.
Beastman, peux-tu communiquer à distance avec ton camélévox? Bien sûr, quelle question, je ne suis pas Beastman, le maître des animaux, pour rien. Très bien, j'ai un plan. On va envoyer ton camélévox espionner leur conversation. Et tout ce que lui entendra, tu l'entendras aussi. Bon alors, tu as compris? Va au château, écoute et pas un mot. Va au château, écoute et pas un mot. Ah. Ali, Ali. Ah, qu'est-ce que... Ali. Ali. Ali, Ali. Oh, regarde, Adam. Eh, hey, dis donc, tu t'es fait un copain? Bah oui, il est chouette, non? Non, Ali, Ali. C'est ça, ben, je vais t'appeler Ali. Ça y est, j'ai trouvé. Le texte dit, suivez la carte. Elle vous guidera à travers les grottes du vent jusqu'au temple du loup. Eh bien, continue. Qu'est-ce qu'elle dit? À l'intérieur de la statue, vous trouverez caché le livre des sorts et sortilèges des anciens. Le livre du pouvoir et de la domination. Ah, oh, comme ces mots sonnent bien. Je veux ce livre. Prépare l'appareil, Trap Joe. Nous partons. Allez, Beastman, dépêche-toi. Il me faut ce livre. Tout ceci doit absolument rester entre nous. Le livre est enfermé dans une boîte cachée à l'intérieur de la statue. Elle s'ouvre avec un mot de passe. Ce mot de passe, vous ne devrez pas l'oublier. Alors écoutez bien. Il vous faudra dire Nepo Amasès. Dès que tu as le livre, apporte-le-moi, Adam. S'il venait à tomber entre de mauvaises mains, le château des ombres d'Eternia serait en grand danger. Mais faut pas s'en faire. À part nous, personne n'est au courant. Oh là 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 là, les grottes du vent. Rien que le nom, moi, ça me rend nerveux. Oh, tout te rend nerveux, Gringer, reconnais-le. C'est pas vrai, t'es injuste. Il y a des choses dont j'ai pas peur. Trop manger et prendre du poids, par exemple. Je crois qu'on a de la compagnie. Skeletor! Mais voilà, j'aurais pas dû venir, je le savais. Attachez vos ceintures, ça risque de secouer un petit peu. On est presque sûr. On pourrait les forcer à atterrir. Allez, vise leur turbo. Bon, alors essayons de les semer. Accroche-toi bien, Oli. Beastman, abruti. Tu ne peux pas mettre ta ceinture, non? On s'accroche. Bah, où est-ce qu'il est passé? Je le vois plus. C'est pas vrai, ça. T'as le cerveau grippé, les neurones rouillés. La prochaine fois, moi, je pilote, toi, tu marches. Allez, direction les grottes des vents. Et en vitesse. Oh, ça, c'est du pilotage. Je suis assez content de moi, je l'avoue. C'est fini, je peux regarder. Hé, hey, hey, à toi de voir. Là, je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Adam, que penses-tu de la présence de Skeletor? Rien de bon, mais ce n'est plus la peine de s'en faire. On s'en est débarrassé. Et il n'a aucun moyen de savoir où on va. Il ne sait rien de la carte. Bon, grâce à ton ami, c'est comme si on avait la carte. Quand le prince arrivera, je compte sur toi pour soigner son accueil, Beastman. Ah oui, bien sûr. C'est froid ici, et puis c'est sombre dedans. Je vais arranger ça. Entre sombre et inquiétant, par ma magie devient sûr et brille d'un feu ardent. Feu ardent, j'ai dit, pas cerf-volant. Ah, c'est mieux. Je suis prêt. Eh bien, allons-y. Tu as la carte, Stanlon? Elle est dans ma pochette en sécurité. Je ne laisserai jamais personne y toucher. Eh, patron, le garçon garde la carte dans une pochette. C'est parfait. Adam est parti avec Orko et Stanlon pour les grottes du vent. Il cherche un vieux grimoire, le livre des sortilèges. Ce livre est primordial pour mes études. Avant tout, nous devons le protéger, Melacta. Il faut à tout prix éviter qu'il ne tombe entre les mains des hommes de Skeletor. Essayez de retrouver Adam et les autres. Ils apprécieront sûrement votre aide. Tu as raison. Tila, allons-y. Je ne voudrais pas qu'il arrive malheur au jeune Stanlon. Skeletor, des gens approchent. Viens, tu vas les accueillir chaleureusement. Surtout, reste près de moi. Oh, oh, qu'est-ce que... Oh, c'est toi, Skeletor.
Oh, qu'est-ce que tu viens faire là? J'essaie d'assouvir ma soif de connaissances. Je suis sur les traces d'un livre rare. Le livre qui t'en a parlé? Pour ça, j'avoue que je dois une fière chandelle à ton jeune ami, Stadlen. Je le savais. Jamais je n'aurais dû faire confiance à ce maudit gamin. Non, jamais. Trap-Jao, tu vas rester avec nos invités. Je pars avec Beastman à récupérer la carte. Si jamais il tente de s'enfuir... Je m'en occupe. On doit prendre le couloir de droite. Ouais, il parle de prendre le couloir de droite. Il faut trouver le livre avant eux. Bon, il faut qu'on sorte de là. Essaie de distraire son attention pendant que je coupe le filet. D'accord, Tila. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne te promets rien. Et silence, vous deux. Ça brûle! Non! Non, pas ça! Je t'en prie, éteins ça, j'ai peur du feu! Fais quelque chose, vite! Ouais, ça va, arrête de pleurnicher! Oh non! Je t'en prie, dépêche-toi, je ne veux pas mourir comme ça! Merci à toi, Trap-Jao! Oh, tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Le temps qu'il sort de là, on sera loin. Oh là là, ce que l'État ne va pas être content, pas content du tout. Oh. Il faut retrouver Stanlon. Il est de leur côté, il nous a trahis. Allons-y. Je ne peux pas le croire. Stanlon n'aurait pas fait ça. Et tu as entendu ce qu'a dit Skeletor? Non, pas ça, serpent. Oh non, Gringer, reviens. Pas question, je reste. Bon, d'accord, alors j'arrive. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Je me sens mieux comme ça. Oh, je t'en prie. Allez, maintenant, au travail, mon petit vieux. Je crois bien qu'on a du serpent en menu. Hé! Regardez, c'est Musclor! Désolé, à part si c'est une jolie jeune fille, je n'aime pas qu'on me serre de trop près. Parce que moi, les seigneurs des anneaux, eh bien, j'en fais des papillotes. Alors, les crocs, malins? Accroche-toi au lit. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu ne peux pas regarder où tu vas. Oh, Skeletor! Musclor! Skeletor a attrapé Stanlon! Skeletor et Beastman? Pas étonnant que ça grouille de vermine par ici. Ça devrait les retenir quelque temps. Assez longtemps pour qu'on trouve ce qu'on est venu chercher. Ah, mon jeune ami. Vous feriez mieux de me laisser partir. Musclor, c'est mon ami. Et avec la magie d'Orko, il va... Ah, ça va, silence, petit. Donne-moi la carte. Quelle carte? Cette carte-ci. Excellent. Avec ça, je ne peux pas me tromper. Viens, suis-moi, Beastman, et occupe-toi du gamin. Toi, tu viens avec nous, et pas de blague, sinon... Ah, la ferme, abruti. Oli, c'est fou, on aurait cru. Skeletor... Je ne suis pas le maître des animaux pour rien. Et la Beastman? Yeah, tu vas arrêter ça tout de suite, crétin de Camélévox. Tu as fait ton travail, c'est bien. Mais maintenant, on a la carte et on n'a plus besoin de toi. Alors fais-toi oublier. Et surtout, tout ceci doit rester entre nous. Alors c'est grâce à toi qu'ils savent. C'est toi qui nous as trahis, Oli. Eh oui, mon petit, c'est lui. Ce stupide volatile nous a servi d'espion. Maintenant, vous allez me suivre et plus un mot. Alors, j'attends. Tu as une petite idée? Bah, pas vraiment, et toi? Peut-être bien, oui. Une idée à creuser. Ah. Oh.
Oh, il y a un éboulement. On ne passera pas et il faut faire demi-tour, Tila. Pas question. Eh, mais tu entends ça? C'est quoi ce bruit? Musclor! Tila, oh, je suis vraiment content de te voir. Est-ce que tu as vu Skeletor, ce misérable, a enlevé Stanlon? Oh, il ne l'a pas enlevé. Stanlon est de son côté, il travaille pour lui. Et il nous a trahis. Ça, j'en doute fort. Oui, ça, moi aussi. C'est Skeletor lui-même qui nous l'a dit. Justement, la parole de Skeletor ne vaut vraiment pas grand-chose. Enfin, pour l'instant, ce qui compte, c'est de trouver le livre des sorts avant lui. J'ai mémorisé la carte, Musclor. Alors, on te suit. Dépêche-toi. Le livre est ici, j'en suis sûr. Peut-être caché dans la statue. Arrête-le, Beastman. Vous aurez bien, mais ça marche pas. Oh, là, on a eu chaud. Maintenant, il faudrait trouver le livre. Vous devez me rapporter ce livre. Hein? S'il tombait entre de mauvaises mains, alors le royaume d'Eternia courrait un grand danger. C'est lui, c'est le livre des sorts antiques. Et il est protégé. Pour ça, il te faudra prononcer le mot de passe secret. Oh, je ne m'en souviens pas. Oh, on va essayer. Sésame, ouvre-toi. Bon, raté. Grimoire, ouvre-toi. Jeune crétin, comment a-t-il pu oublier le mot de passe? Tu devras dire Nepo Amasès. Bravo, t'as réussi, Oli. Pas touche. Reculez, ce livre est à moi. Doudou, héros, je ne t'ai rien fait, moi. C'est Skeletor, c'est lui, le méchant. Besoin d'aide, Beastman, ou tu peux t'en sortir tout seul? Oh, je t'en prie, aide-moi, Musclor. Je ferai tout ce que tu me demanderas, mais débarrasse-moi de ce fauve. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à le contrôler. Aide-moi, allez, pitié. Alors, mon joli, dis-moi ce qui ne va pas. C'est Beastman, il n'a pas été gentil avec toi, c'est ça? Tu es un bon loup, et si Beastman ne répond pas à mes questions, je te le laisse, tu en feras ce que tu voudras. Alors, Beastman, où est Skeletor? Qu'est-ce qu'il a fait de Stanlon? Skeletor et le gamin, vous les trouverez dans le temple. Qu'est-ce que je vous disais? Stanlon s'est rangé aux côtés de Skeletor depuis le début, il travaille pour lui. Ça, on verra avec lui. Tu vas nous conduire jusqu'au temple. Ah ben, il y a un problème, c'est que j'ai oublié le chemin, c'est trop bête. Alors, le loup, tu as entendu ça? Il faut lui rafraîchir la mémoire. Non, c'est bon, pas la peine, ça y est, ça va, ça me revient. Allez, écarte-toi. Non. Tu crois pouvoir échapper à ce Skeletor? Donne-moi le livre, allez. Envole-toi, Oli. Oli, Oli. Attrape. Allez, file, file. Reviens, reviens ici. Allez, tu m'entends? Obéis, reviens, ou je vais faire de toi du pâté de camélévox. Je te préviens. Tu as perdu la partie, Skeletor. Reste où tu es, Musclor. Si je ne peux pas avoir le livre, personne ne l'aura. Ça reste à voir. Oli, vole jusqu'au château des ombres. Alors ça, tu vas me le payer, Musclor. Bien joué, Stanlon. On va s'occuper de lui. Allez, attrape-le. Je hais les loups. Je pars, mais on se revient, Musclor. Oh, mais c'est quand tu veux, Skeletor. Oh, vous avez vu ça? Stanlon s'est porté au secours de Musclor. Je l'avais peut-être mal jugé. C'est exact, Melacta. Tu as été injuste avec ce pauvre Stanlon. Oli est un camélévox extrêmement doué. Malheureusement, depuis le tout début, c'est Beastman qui se servait de lui. Envoie ton camélévox au château des ombres, il servira d'espion. Tout ce qu'il entendra, tu pourras l'entendre. Et voilà comment Skeletor était au courant de tout ce qui se passait. Maintenant, Oli est libre de choisir son maître. Eh bien, Oli, on t'écoute. Veux-tu retourner voir Beastman? J'ai l'air aussi idiot que ça. Non, moi je reste avec vous. Je te fais toutes mes excuses, Stanlon. Jamais je n'aurais dû douter de toi. Bah, c'est pas grave. Moi, je suis désolée pour la statue qui a été cassée. Je n'aurais jamais dû demander à Orko de m'aider. Oh, on parle de moi, si. J'ai un cadeau pour vous.
Ah oui, un cadeau. Ça ne serait pas plutôt une de tes blagues, Orko? Non, non, allez, prenez-le, ouvrez. Tu l'as réparé, oh, merci. Y a pas de quoi. Dites donc, c'est plein de poussière ici. Je peux vous aider à nettoyer tout ça si vous voulez. Oh, non, non, c'est grave, merci. Et pourquoi pas? Si vous préférez, je vous montre mon dernier tour. En exclusivité, c'est la chance de votre vie. Non, merci. Oh, merci. Et toi, Oli, tu veux voir un de mes tours? Tu me prends pour un crétin, quoi? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris ce qui se passait quand quelqu'un jugeait sans connaître les faits. On appelle ça tirer des conclusions hâtives. Et bien souvent, la personne qui fait ça s'aperçoit qu'en fin de compte, elle se trompait. C'est ce qui est arrivé à Melacta. Si seulement il avait... Salut, Oli, tu as quelque chose à dire à nos amis? Oh, c'est oui! Ne vous fiez pas aux apparences! Ne vous fiez pas aux apparences! Absolument, je suis d'accord avec toi, Oli. Laissez toujours une chance aux prétendus coupables. Allez, à très bientôt.